Bonjour, alors je ne sais pas si vous allez me voir. Je suis en direct de Bali, de Ubud, et j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai découvert, j'ai été faire deux fois du yoga. En fait, c'était quoi ? Ce matin, c'était flexibilité et mobilité, et cet après-midi, c'était un cours pour apprendre le massage thaï dans une école de yoga. Parce que j'ai pris une espèce de passe de plusieurs jours pour pouvoir voilà, faire plusieurs choses. J'espère que vous m'entendez. Ici, c'est le coucher du soleil, comme vous pouvez voir. Et j'avais envie de partager cette espèce de moment avec vous, parce que vous savez que sur ma chaîne Yumi, ben, c'était tout ce qui était de nouveau pour moi. Et après un grand stress, du stress de clôturer tout ce qui était en Belgique, c'est-à-dire le déménagement, emballer tout, vraiment tout terminer, mettre des choses chez ma fille. J'essaye de voir si je peux, je suis un peu décalée là. Mettre des choses chez ma fille et puis chez mon fils. Et puis dans le garde-meuble, c'était quand même énormément de choses. Alors je ne sais pas voir les commentaires. Ah, du coup, vous pouvez beaucoup mieux me voir là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'étais perturbée parce que la luminosité est bien meilleure pour pouvoir me voir, hein, puisque c'est la fin de la journée. Et donc, ce que j'ai découvert donc en faisant tous ces cours, c'est que j'étais obligée de rien faire, que je pouvais me laisser aller, que je pouvais recevoir. Parce que longtemps, j'ai cru qu'il fallait donner, je ne sais pas d'où ça venait. Tout d'un coup, c'est comme si j'étais libre de recevoir aussi. Je croyais que c'était une tâche, mais c'est une tâche sur mon téléphone. Et donc, en fait, c'est ça que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est de me laisser aller. Et en plus, j'étais en démonstration, enfin, et dans l'exercice. Enfin, j'ai reçu deux fois un massage thaï à la suite. Et c'était vraiment tout bon. J'avais l'impression, vraiment, d'être là pour la première fois de ma vie en vacances. Parce que c'est la première fois que je ne dois pas travailler. Alors ici, ce que je partage avec vous, c'est parce que j'ai envie... parce que j'ai toujours envie d'inspirer les autres, mais c'est la première fois que je ne sens pas de travail derrière. C'est la première fois que je sens un temps de plaisir à être dans le moment présent. Voilà, c'est comme si je me suis autorisée des tas de choses que je ne faisais pas avant, en gros. Et donc ça, c'est fantastique. Donc j'ai envie de vous dire, décidez maintenant d'être heureux, ou décidez maintenant de recevoir. Parce qu'en fait, longtemps, j'ai sans doute, je ne sais pas pour quelle raison, pas pensé que je pouvais recevoir. Et alors, par deux fois, donc le premier professeur, c'est tous des professeurs masculins, en partant, enfin j'étais dans le hall, il m'a touchée, mais pour moi, ce toucher, je l'ai reçu comme un... Je ne sais pas, c'était comme un câlin, alors qu'il m'a simplement touchée, il m'a dit au revoir. On était peut-être une bonne dizaine dans ce cours. Et puis le prof, c'était pareil. Après, l'autre prof de thaï massage, je l'ai revu aussi dans le couloir et il m'a fait au revoir Caroline aussi avec ce toucher. Et je sais pas, c'est comme si je recevais plein de choses. Comme si je découvrais ce que c'était de recevoir, alors que j'étais habituée à donner. Et c'est fantastique. Je souffrais un petit peu du jet lag après le déjeuner, donc lors dans ce cours de thaï massage. C'est pour ça que j'ai voulu d'abord commencer en étant sujet, puis finalement je l'étais deux fois. J'avais envie de m'endormir, j'écoutais le prof au début, je m'endormais, alors que j'ai très très bien dormi. Enfin voilà, tout ça pour dire que, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je viens de m'installer à Bali avant d'aller dans un ashram pour quelques jours de vacances, et je me dis, mais est-ce que je vais prendre plus que 6 jours? Tellement c'est bon de recevoir, parce qu'après je vais aller secouer mon corps. Enfin vraiment, c'est comme si, oui, je découvre ce bien que je me fais, et c'est extraordinaire de découvrir ce bien que je me fais.
Parce que je trouve que, je sais plus, hier déjà on me disait que j'avais l'air si bien, alors que j'avais dormi 5 heures et que au moment où j'ai fait la photo qui est sur mon profil Facebook. Enfin voilà, donc simplement pour dire New Me, je continue à profiter. J'ai ma sister Sarah qui est clairaudiente qui avait dit hier, elle ne savait pas que je m'étais fait masser, elle me dit fais-toi bien masser et vraiment. Enfin, profite, c'était un peu son message. Elle ne savait pas que j'étais vraiment là-dedans. Enfin, elle ne savait pas. Elle l'a su intuitivement. Donc, je trouve ça génial. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça. Aussi que je ne dois rien faire. Enfin, je ne sais pas, je me sens très libre là, dans tout. Et voilà. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous, c'est ce bon, tout ce que je ressens à l'intérieur de bon pour vous, pour moi. Oui, je me sens toute bonne pour moi et voilà, j'ai envie de vous le donner aussi, ce bon pour moi, parce que si c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Voilà, alors je ne sais pas s'il y en a qui me voient en direct sur YouTube ou si c'est juste une vidéo que j'enregistre et qui va, que je vais uploader ensuite. Je n'en sais strictement rien, en fait. Et de toute façon, voilà, je vais vous faire de temps en temps des petites vidéos. Et ça, c'était ma petite vidéo depuis mon arrivée à Bali. On est le mercredi 23 septembre, quelque chose comme ça. Je suis arrivée à Bali dans la nuit du 25 septembre. Ah, ça ne peut pas être 25, si, alors je ne dois pas être, on doit être le 27. Voilà, à bientôt. Et je vous dis merci déjà de me regarder.